grâce à certaines mesures que les Russes ont prises surtout avant la fin du 19e siècle. Il n'y a pas vraiment de palais en Finlande. Et à 50 mètres où nous pouvons laisser... Et la garde principale maternelle qui représente deux chevaux. Station de métro. Et à la droite, les moyens de transport public. Et encore la gare un peu vieux maintenant. La longueur de sa tour est 50 mètres. Et parmi les habitants de Helsinki, c'est très commun de se donner rendez-vous au-dessous de la tour de la gare. Remarquez surtout les nombres, les chiffres de l'horloge de la gare. À la droite, il y a Kiasma, le musée de l'art. Et un peu plus loin, à l'horizon, vous voyez une tour qui appartient... du monument Sibelius. Jean Sibelius a composé cette symphonie, un concerto pour le violon qui a été considéré par les violonistes comme un des plus difficiles. Écouter de la musique de Sibelius, mais je suis sûr que c'est possible aussi autrement. Thank you.
ces parcs où les habitants vont faire leur pique-nique. Et on a construit ce bâtiment à la gauche qui s'appelle Tamminiemi comme leur résidence. Et le dernier habitant ici a été président Urho Kekkonen. C'était assez commun que les Russes qui sont venus vivre ou visiter Helsinki Et maintenant, je dois parler du bâtiment que nous passons à la gauche. C'est le Palais Finlandia, la maison des concerts et des congrès de la ville de Helsinki, dessinée par Alvar Aalto, architecte finlandais, et construit en 1965 pour recevoir la conférence conférence pour sécurité de Flambant Neuf. Elle a été ouverte au mois d'août passé. Il y a notre université de musique. À la droite, le Parlement. Et évidemment, il y a quelques petites nuances. Mais parce que nous avons encore une bonne demi-heure avant. À la gauche, nous passons à un autre grand magasin, Stockmann. Et vous avez peut-être distingué à ces vitres, Svenska Teatern est écrit à la façade. Et derrière ce théâtre suédois, il y a le parc de Esplanadi. En tout cas, il y a beaucoup de petits bateaux à voile là. Et, les hommes qui sont allés à la mer et ne sont jamais retournés. Ce n'est pas facile d'y passer. Et le granit comme décoration et apparence très très solide et des formes libres, par exemple un petit balcon à la gauche justement maintenant. Et l'imagination et les ornements sont souvent des fleurs ou des animaux. Donc nous l'appelons parfois le style national romantique, et les Français ont le style Art Nouveau. À la gauche, je recommande d'aller à cette nouvelle chapelle qui a été construite en bois, couleur bois. Elle s'appelle la chapelle du silence. Mais ici, c'est un quartier élégant, donc vous trouvez tout ce qui est élégant. Où notre snob, un compositeur Sibelius, est venu passer son temps avec les autres artistes, peintres, écrivains, etc.